Salut à tous. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas refait un petit Demon Slayer UHC comme à la bonne époque. Et je me suis rendu compte que dans la playlist des rôles, bah il en manquait quelques-uns, comme Tomioka, Sabito, certains démons ou encore la fameuse Nezuko que vous me réclamez depuis un petit moment. Alors on va rattraper cette erreur dès aujourd'hui dans un mode de jeu Minecraft que vous appréciez énormément sur la chaîne. Mais avant ça, écoutez bien. Il y a quelques jours, je vous ai posté un petit screen mystère dans l'onglet communauté en précisant que quelque chose se préparait. Beaucoup ont alors pensé à une cité et vous avez totalement raison. En début de mois, j'avais posté sur ma page Twitch un sub goal, une cité avant la fin du mois si on atteignait 1500 nouveaux subs ce mois-ci. En 11 jours, ça a été explosé. Par conséquent, je vous en reparlerai d'ici là, mais effectivement, la Cité des Glaces aura bien lieu du 26 au 30 décembre prochainement sur ma chaîne Twitch. 15 heures de live par jour, plus de 40 streamers pour la première cité hivernale. Un petit truc sans prise de tête pour s'occuper pendant les vacances. Alors je vous recommande sans plus tarder de suivre ma chaîne Twitch. En plus, il manque 3000 followers pour atteindre les fameux 400 000 là-bas. Et deuxième info, des petits indices et autres seront postés prochainement sur mes réseaux. Et comme on approche de la fin d'année, il y aura peut-être un ou deux concours pour Noël. Donc j'en parle jamais, mais voici mes deux réseaux principaux, Twitter et Instagram. Je compte sur vous pour venir me suivre en masse. Il y aura même une petite surprise aux 120K sur Twitter et aux 60K sur Insta. Allez bref, la game. Pour les nouveaux de la chaîne, en 5 mots, Demon Slayer UHC, c'est quoi? C'est un jeu stratégique sur Minecraft, un sorte de jeu du loup-garou en UHC, c'est-à-dire un battle royale. Chaque joueur doit se stuffer comme une survie classique de Minecraft, et à 20 minutes de jeu, un rôle nous sera donné. Le but sera alors de faire gagner le camp auquel appartiendra notre rôle. Et justement, en parlant de rôle... Nezuko, si je suis Nezuko, c'est une masterclass? Oh non... Oh non, oh non, je suis Sabito de mort. Ah oui, Sabito de mort, hein. Je serai donc Slayer dans cette partie. L'objectif de ce camp, c'est-à-dire les gentils, c'est de retrouver les autres Slayers et d'arriver à identifier qui parmi les autres joueurs sont les démons, les ennemis. Je rappelle que ces démons ont un fonctionnement un peu particulier. Un joueur dans la partie possède le rôle Muzan, c'est le chef des démons. Il est accompagné d'un autre joueur qui possède le rôle Kokushibo. À eux deux, ils possèdent la liste de la moitié des démons qui eux ne se connaissent pas entre eux. Et leur objectif à ces démons sera donc également de se retrouver entre eux au fur et à mesure de la partie. Autrement dit, nous les Slayers, on peut arriver à détecter qui sont ces ennemis en observant le comportement des autres joueurs par exemple. Et pour m'aider dans cette tâche, je possède alors plusieurs pouvoirs. À l'annonce des rôles, je reçois d'office une épée en diamant Sharpness 3 ainsi qu'un effet de résistance 1 la nuit. J'aurai aussi une fiole vide qui, une fois remplie d'eau, me donnera speed 1 pour une durée de 2 minutes lorsque je l'ingurgiterai. Cette capacité est utilisable à l'infini, à condition d'attendre 5 minutes entre chaque utilisation. De plus, si Tomioka, un allié Slayer, vient à périr, ce pouvoir augmentera. Et au lieu de gagner l'effet speed 1 avec la fiole, je gagnerai alors speed 2 pendant 2 minutes. Avec cette fiole, je peux aussi faire un dash en avant, me propulsant sur une vingtaine de blocs. Sur ma trajectoire, lors de cette projection, deux vagues d'eau apparaîtront et repoussent les joueurs proches. Autrement dit, je peux tracer tout droit vers ma cible. Attention également, car ce pouvoir consommera mon seau d'eau que je devrai re-remplir à chaque fois pour réutiliser le pouvoir. Et comme le premier, il y a 5 minutes d'attente entre chaque utilisation. Voilà pour toutes les infos qu'il y avait à savoir sur les règles et le rôle. Ah oui, une dernière chose. Comme je suis Slayer, je vais aussi pouvoir crafter une lame de Slayer. Cette lame me donnera un effet supplémentaire parmi 5 qui s'accumuleront à ceux que je possède déjà. Je m'empresse donc évidemment de la crafter et... Oh la dinguerie par contre, la dinguerie, la lame jaune. J'aurai effectivement 10% de speed supplémentaire là encore. Donc lors de l'utilisation de ma fiole, j'aurai presque d'office speed 2 dès le début. Et à la mort de Tomioka, ça sera presque speed 3. Bref, allez c'est parti. Et pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Surtout si vous êtes nouveau, ça ferait plaisir. Oh c'est pas mal ça en vrai. Donc ça veut dire en gros là que avec cette fiole, donc j'ai deux possibilités. Soit je la remplis et dans ces cas-là, là ça me donne speed. Du coup, voilà, pendant deux... Non c'est speed 1. C'est speed 1 mais j'ai la lame de speed avec, du coup ça fait. Oh mec la speed 2. Oh là quand Tomioka il va mourir frère, je vais tracer. Oh là 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 là. Et du coup si je fais clic gauche avec ça et que je fais clic gauche, je vais voir si je fais clic gauche là-dessus. Ah oui. Ouais, ça fait tout bugger par contre. Hein. Ça me l'a pas vidé, on est d'accord la fiole. Du coup, je peux re-clic droit. Oh, c'est broken ça, mec. Du coup, en fait, le dash into l'utilisation de la fiole en clic droit, ça peut être sympa. On a un petit combo. Et du coup, ça m'a consommé le seau d'eau. Du coup, ok, ok. Bah, c'est nice hein, comme rôle. Hein. Putain, ça a l'air trop fort par contre. Et en plus de ça, j'ai eu l'âme jaune, mec. J'ai eu la lame de speed. Ça va être turbo broken. Si le Tomioka vient à mourir, j'ai speed 3, mon gars. Si le Tomioka vient à mourir avec ma fiole, je tape un speed 3 avec résistance la nuit, mec. C'est incroyable. Alors il me faut masse de seau d'eau hein, du coup hein. Il va falloir un peu plus en vrai je pense. Vous savez quoi, en vrai je pense que j'en ai rien à faire, regardez. Hop. Regardez, parce qu'on a dit qu'il fallait des seaux d'eau. Eh ben pas de problème. Mais il dit me faut des seaux, mais y a pas de soucis les gars. Hein. Mec j'avais demandé Nezuko quand même, mais bon. Kyogai, hein. D'ailleurs il y a eu une mort dans la cache Nakimé tout à l'heure. Hein. J'espère que bon c'est pas un rôle de fou parce que bon, on va pas savoir ce que c'est. Le spec d'inventaire. Oh quelqu'un qui va me spec mon inventaire, il va avoir 10 000 seaux d'eau, il va faire alors toi. J'espère qu'on va trouver Tomioka et qu'il va crever en vrai. Vous avez des infos sur la cage potentielle qu'il y a eu là? Ouais la cage c'était un peu early quand même. Oui c'était un peu early, effectivement ouais. Et j'espère que c'est pas Nakimé qui est morte parce que là sinon ça va être. Et Nakimé c'est nouveau aussi du patch là, le speed là. Ah la plus résistance, oui, c'est qu'en gros là. La speed à la place. Ouais bah c'est moins fort hein, franchement hein. C'est trop facilement droppable hein. Ouais mais pour les courses poursuites dans les escaliers ça peut être pas mal hein. Ouais bah, vas-y moi j'ai un truc à faire. Je crois casse. Que j'ai quelqu'un d'autre là-bas. T'as vu un gars? Je crois, mais peut-être que j'ai eu une hallucination. C'est vrai qu'en vrai, on est, y a pas grand monde hein, au centre là. Pourtant, on est à 56 minutes. Oh, il y a plein de gens là. En fait, je cherche des infos sur la Nakimé, mais bon. La Nakimé, c'est Tamayo qui est morte. C'est Tamayo qui est morte dedans? Ouais. Ouais. Du coup, Yoichiro est mort. Oh là là, la catastrophe. Ouais, là, là. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais quoi, tu sais ça d'ailleurs? Kagaya qui est au centre qui l'a dit.
Ou sûrement le Yuichiro, mais si. Ah bah oui, putain, c'est vrai que le Kagaya, il voit les morts qu'il y a dans la cage. Oui. Ah, c'est pas mal ça. Eh, vous avez eu l'info sur la morte, la personne qui est morte dans la cage ou pas? Il y a aussi le mec qui a tué Kyogai, c'est Nexfor. Je le pense qu'à Nao. Bah oui, non, mais c'est sûr. Oh, il l'aspect kill. Oh, il y a le train là-bas. En vrai, je peux aller dans le train et m'enfuir en vrai, non? Ah non, mais si je me fais endormir par Enmu, ça casse les couilles. En vrai, j'ai envie d'aller dans le train. Il y a des gens qui sont allés dans le train déjà. Des gens qui sont. Attends, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une strat différente parce que vu que là, j'ai pas possibilité de savoir qui est potentiellement démon. Hop, ils vont aller dans le train ou pas? Ils vont croire que je suis allé dans le train. Je vais les spec. Enfin, je vais spec les gens qui vont dans le train. Non, il est descendu. Il est parti en train. Je propose qu'on le tue parce qu'il est bizarre. On pense de quoi? On y va? On le tue. Il y a du quoi qui est rentré en train de solo. Ah ouais, je suis vachement rentré dans le train solo, Makioto. Ouais. Mais non. Quoi? Non. Je pense. Non. Il est cool. Non, je te jure, il est cool. Ok. Oh, les gars, il a The Guild. Je sais pas. Zeki, il est allé solo dans le train, je pense qu'il est démon. Omega a défendu Code Cube, du coup, c'est ça? Attends, c'est toi qui m'as sauté. Ils sont tous Slayer ou ils sont tous démons? Ils ont tous la liste. Il y a Momo Tako, il est cool. Omega, tu peux faire un invisible. Trop tard. Mais tu peux le faire en invisible, non? Trop tard, c'est ça. Ok, mais venez, je vous donne. Ouais, venez, les go. Bon, allez, perfect. Bah merci pour eux hein, merci à eux du coup. Merci pour ces infos. Alors il y a le Obanai à côté. T'étais là à côté toi, on est d'accord? Oui. Ah, t'as entendu la même chose que moi là. Écoute, tu vois, pas XP oui. Twitch. En fait, de base, ils m'ont mis dans la cage de Nakime, ok? Ah d'accord, ok. Et du coup, j'étais caché et j'ai entendu c'est deux démons. Il y a Nakime et l'autre c'est un démon aussi. Donc là, tout ce groupe c'est un démon. Mais ouais frère. Ok, on va rien dire du coup. On va se regrouper avec des gens et on va les attaquer en petit groupe. Oh, c'est incroyable. Mais frérot, c'est incroyable. Attends, faut que je note tous les pseudos, attends. Et Omega, il est lune inférieure du coup. Ouais, exactement. Et c'est Baby Groot le Musan du coup. C'est Baby Groot le Musan et. Ah non, mais attends, Omega, il est en Tenku en fait. Ah oui? Ouais. Mais mec? Eh, non, attends, dis rien. Juste. On peut faire un petit groupe avec vous ou pas? Pourquoi? Non, on peut faire un petit groupe avec vous. Oh, Nowhere, il était Shinjuro. Moi, je suis chaud de rester avec Lucas. Ouais. Moi, j'ai compris vos rôles à vous deux, hein, c'est sûr. Hein. Non, t'as rien compris. De qui? De vous deux. De qui? Bah, toi et Delta. Toi et Lucas 10. Wesh, les gars. Ça va ou quoi? T'as pas compris. Ça va, vous faites quoi? Je pense avoir compris. Non. Vous venez tuer le Shinjuro? Pourquoi vous courez? Parce qu'on a aucune info sur vous. Nous on a cramé la Kimi, on a tué Shinjuro. Ah oui, mais non, mais venez, on discute, non, plutôt? Pourquoi vous barrez? On discute pas avec des méchants, nous. D'accord. On fait le train, on est D'accord. Vous allez revenir tout de suite ici, en fait. On revient pas. Oh, mais c'est bugué, mon truc! Mais c'est tout bugué, mon truc! Non, mais ils sont tous démons, on peut pas aller là-dedans, ils sont tous démons. Enfin, c'est pas bugué, c'est juste que j'ai mal géré mon truc. Apparemment, il y aurait deux démons qui sont rentrés dans le train. Il paraît que PXP sont. Il y avait un autre pote, je sais plus c'est qui le deuxième. Ouais, ils ont tué le Shinjuro et ils sont rentrés. Donc ils sont. Gil, pourquoi tu voulais grouper avec nous? J'ai pas compris. Parce que j'ai envie qu'on soit un groupe de 5. Moi, bah, Ainono, moi, Lucas 10 et quelqu'un d'autre. Putain, je voulais les attraper les deux, je suis dégoûté, frère. Je voulais les attraper. Ça a pas marché, mon truc. J'ai pas compris comment on l'utilise, je crois. Enfin, j'utilise plus haut, je pense. Je ne sais pas s'il y a un seul rôle dans la game qui rivalise avec moi actuellement. Je pense que j'ai envie un Jigoro. Hein. Premier degré? Ouais. Oui. T'es Genya et t'as tué. What? Ah, il a pas de kill, hein. Je dirais rien, mais tu verras à la moi, fin de la compris, game. Moi j'ai compris, je te jure, j'ai compris. Hein. Ouais, bah. On est bien tombé. Faites quoi? Écoutez, les gars. Là, ils sont en genèse. Les gars. Vous faites ça. Vas-y. Okay. Bah, on est 5. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais, je sais. Je sais que vous êtes 5, bah bientôt vous serez plus que 4. Oh, dommage. Et vous serez même bientôt moins tout de suite là. Bah, du coup, j'ai envie de sauter les autres, hein. Wesh, Gil, wesh, tu me fais. Bah, Genjax, mon frérot. Tu vas juste revenir ici tout de suite, frérot. Attendez, je peux TP, je peux pas me TP, wesh, non! Tu vas revenir tout de suite ici, mon gars. Bugué, frère. Bah, et moi, c'était. Enfin, non, du coup, je suis pas Jigoro. Tchou. Ok, ça va, y'a que des démons là, enfin y'a que des slayers sauf PX. Bah merci d'avoir aidé ton mate, mais tu vas mourir. C'est PX Nakime, vous tuez PX. Viens là, Dieu mail là, oh, tu te calmes. Bah, c'est où? Dans 5 secondes, je te mets nausée. Non, mais j'ai speed, il est mort, si jamais. Bah, c'est bon, il a nausée, vas-y. Ah, la peur. Oh, pardon. Oh là. Excuse-moi, je t'ai tapé. Merde. Il est parti par là-bas, les gars, hein, si jamais. C'est vrai. Faut suivre un petit peu, hein. La nausée, c'est vraiment le pire truc sur Minecraft. C'est pendant combien de temps cette nausée là? Quelle nausée? C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Le mauvais boost. Me tape surtout pas, frérot, en fait là. Parce que là j'ai vraiment en fait pas de cœur en fait là. Une 35, il faut l'avoir. Hein. Ouais. Allez, mon gars, t'es mort. Trop fort. Voilà. Let's go! Pow! Mon gars, je peux récupérer le stuff dans la cage. Une bonne chose de fait d'entrée. J'élimine le joueur qui possédait le rôle Nakime, un rôle démon extrêmement puissant, enfermant ses ennemis dans le château qu'on vient de voir. Son élimination me permet alors de récupérer tout le stuff restant dans le château, ou la cage comme on l'appelle. Je peux donc faire mes petites courses tranquillement avant de retourner au centre. Putain, j'ai pas les gapels? Moi, je peux pas récupérer ces gaps. Ah, ok, c'est dans page suivante. Oh, 26, mon gars. Oh, la dinguerie. Ah là, mon gars, ça fait plaisir. Putain, le move était masterclass là, d'avoir entendu les autres. Hein. Ils connaissent tous mon rôle de toute façon, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ils connaissent tous mon rôle, mais je m'en fous. Le but,
but c'est juste qu'on... Alors, par contre on a quand même beaucoup de démons là. On en a tué deux déjà, ça fait plaisir. Je voulais pas le dire au centre pour pas alerter les autres. Et Genjax du coup il a dit je me TP mais ça marche pas, donc il doit être... Non il est Kaigaku du coup. Il est Kaigaku qui gagne, ah oui donc Jigoro et pacte solo. Donc si on voit quelqu'un qui attaque Genjax c'est certainement le Jigoro. Gamme intéressante de mon côté, ça fait plaisir. Allez on arrive au centre, par contre c'est la nuit hein. Salut, j'ai tué Nakime. Ouais on s'en doutait, t'inquiète. Hein? Ah bah voilà. Je sais. Absolument pas. Bref. Non mais le, oui, ton fameux ami quoi. Ah ouais mais je connais plus son rôle. Ouais c'est voilà, ça. Il connaît plus le pseudo. Bah du coup je suppose que c'est toi quoi, Noxtra. J'espère que tu vas mourir du coup. Appelle ta Fox. Des bons rôles là. Ça appelle ta Fox. Ouais, ça va. Ah, bon bah, let's go. Ça y est, putain, le move d'entendre tous les démons sous le train, ça sauve un peu la game. Bah du coup on fait notre groupe non? On fait ce que tu veux. Bye. Moi par contre. Alors je viens de me taper 1000 blocs là, je vais me retaper encore 1000 blocs, c'est ça l'idée hein? Oh la discrétion c'était pas ça hein. Hop. Ça doit être le Jigoro qui l'a tué, et si c'est le cas, mec. J'ai coupé la parole. Ouais bah ouais hein. Il y a un allié de taille qui va nous rejoindre sous peu, Guillaume. Ah ouais, genre par exemple toi t'es Mitsuri et... Je suis pas Mitsuri moi. Ouais t'es l'autre quoi du coup. Ah ouais t'es... Mais oui t'es Guillaume en couple, c'est vrai frère. T'es Guillaume et Mitsuri. On prend Noxtra en last. Pourquoi il est quoi? Bon il a un rôle en rapport avec moi quoi. Je pense qu'il est ennemi. Je peux venir deux secondes. C'est toi le fameux rendez-vous qui devait arriver? Ouais. Salut rendez-vous. Allez venez on se casse maintenant là. Oh oui oui toi monsieur. Toi. Non il faut que lui soit avec nous. Look at this, Delta Fox et Noxtra ils soient avec. Bon bah il est sympa notre groupe 1 les gars. Il est plutôt sympa notre groupe 1. Je pense qu'on peut rouler sur la game. Polo Noxtra c'est le dernier duo du coup de la game. Donc c'est Nezuko et Tanjiro. Ouais, c'est ça. On tue les démons quoi là? Bah vas-y. Ouais, hein. Ah. Ah ouais le petit train là. Attends d'abord on a d'abord un autre train à prendre. Je crois pas mon gars. Ah. Non c'est pas ça le problème, c'est que j'ai un peu de speed quoi. Un de speed 2. Ah ok d'accord. Sanemi. Je crois que tu t'es condamné en allant avec cette peinture. Vas-y prends le. 50 gapple. Ah ouais. Vas-y donne. Voilà, on mange un petit peu là. Ok, Kumo assassin. Bah on va où vous voulez quand vous voulez les gars. Voilà. Bon en vrai on peut faire le train je pense hein. Ah. Non on fait le train. Bon bah c'est trop maintenant. Ah bah au pire vas-y, va le tuer si tu veux toi en vrai. Va le tuer nous on va faire le train. Si t'as une cible il vaut mieux que t'ailles essayer de la tuer hein. Bah, en fait le problème c'est qui l'a tué. C'est Matt. Matt il est méchant du coup aussi. Oh le bâtard. Bah c'est bon on a les derniers du coup c'est Matt. Par contre on a un petit problème les gars, c'est que si Baby Groot il tue Nezuko c'est la fin de la game. Hein. Bah, en vrai je suis sûr on peut rivaliser hein. Dans si on. Ouais en vrai ouais. Le stat 3. Bah go faire le train tout de suite comme ça moi c'est. Bon, on décide finalement de s'occuper du train. Je rappelle son fonctionnement en deux spies. Il faut que nous arrivions au bout de tous les wagons pour casser l'Ender Chest du fond, qui est le cœur d'Enmu. Si on y arrive, ça téléportera tous les joueurs en dehors et rendra vulnérable le démon Enmu, jusque-là invincible. Sauf que les démons vont normalement protéger le train. Ils peuvent s'y téléporter dedans et nous faire tomber entre deux wagons. Mission périlleuse donc, mais pas impossible. Par contre, ouais, il faut qu'on aille 3 du coup. Hein. Donc, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais. En vrai, moi je m'en vais. On zone déco pour si on saute. 300. Ouais, non, t'as raison, 200. Faites gaffe, c'est encore la nuit. Hein. Faites gaffe, hein, c'est la nuit dans. Enfin, c'est encore la nuit. Pour une minute 20 donc. Faites gaffe hein, ça va arriver là. Après normalement ils sont pas trop dans le train donc en vrai je pense qu'on devrait pouvoir le casser hein, normalement. C'est ouvert en grand. What? Il est pas là le ennemi? Et où les gars? Vas-y va le casser c'est bon, t'inquiète mon cher. Vas-y. T'inquiète c'est bon. Oh vous avez des bons effets là. Ouais. Possible. Adieu mec. Adieu. Ok, nickel, ça c'est fait, le train c'est fait direct, comme ça au moins. J'ai quand même un peu peur du Muzan et tout, hein. Honnêtement, groupe de 3 avec Muzan et tout, bon, hein, on connaît. Hein. Et voilà, le problème c'est qu'il y a ça en plus. L'avantage c'est qu'en vrai j'ai toujours du coup résistance, et ça c'est une bonne chose. Hop, je vais en 200-200, s'ils viennent pas j'irai au 0. Enfin, du coup il a forcé la nuit, donc les démons ont encore force. Hein. Je sais pas s'ils vont venir ou pas. En fait 200-200 c'est le terrain de Daki quoi. Yo mec. Il est méchant Zordov ou pas? Bah en fait c'est ça la question que je suis en train de me dire, c'est est-ce que Zordov est peut-être Daki Gutaro, mais en fait je sais pas. Il m'a écrit les démons sur moi à côté, je lui ai demandé c'est quoi. Ok Zordov il nous a vu, il s'est barré. Bah il est démon. Moins 220-60. Bah, je peux me barrer super simplement hein, si jamais. Hein. Bah en vrai tu peux me laisser prendre le focus si tu les tapes quand il me focus. Genre. Moins 220-60 c'est là hein. C'est là-bas là. Il doit être en face. J'espère qu'il s'est pas de chase hein, parce que là c'est la merde hein. Ah c'est trop bizarre de vous revoir. On est de le tuer. Ah non. Salut, ça va? Oh putain, oh non. Fireball il est méchant. Parce qu'il était avec tout à l'heure. Ah bah du coup bah voilà, Fire est méchant alors. Fireball est même pas dans le table, il est décalé Zordov. Ah bah voilà, bah Fireball avec Zordov alors. Là, il y a un message. Bah du coup je viens alors. Il est seul, vas-y on vient. Je viens alors, c'est bon. Je vais dans le flash. Non. Si on t'a bien mais. T'as vu qu'il se tabac qui est face à nous. Pas faux. C'est un magnifique 3v3. Merci en fait Baby Groot d'avoir dit sous le train, enfin quand j'étais sous le train je vais donner la liste. Ah, dommage. Désolé. Bah de rien pas, vas-y. T'aurais pas dû te retourner.
Oh, il est mort. Save guild. Ok, je suis bien. Ah, il m'a endormi. Ok, je suis bien. Ah, ouais, mais toi, t'as un rôle de fou, ça va. C'est le petit trou là. What the fuck? Ah oui, je vous ai un jeu les gars. Oh là, les moves un peu douteux là. T'as autant de vie alors que t'es ennemi. Ouais bah j'ai les gars. Oh bah vu les gars. Let's go! Et... Bon, on garde notre groupe du fight au pire là qu'on avait, non? Ah bah non, parce que toi t'es mort, Marie. Ah bah Zordov, c'était le Jigoro, bon bah. Y'a ce qu'il a? Nakaza, Daki, Gyutaro. Bon, il ne reste que très peu de démons. Les plus durs à tuer dans le tas, ça va être Daki et Gyutaro, qui doivent être éliminés quasiment d'affilée dans le jeu, sinon ils pourront réapparaître. Manque de bol pour les démons, l'un de ces deux rôles, Daki, est un joueur dont le chat vocal ne fonctionne pas. Bah c'est lui en fait. Non mais non. Le mec est pas sur ma bulle. Le pauvre, mais t'as fait mon lot là par contre. En vrai, on y va. Par conséquent, pour compenser, je suis allé proposer à son équipier, donc Gyutaro qui est Fireball, un 1 contre 1 à la loyale. Ça apportera un peu de spectacle, et au vu de la puissance de son rôle, rien n'est gagné pour nous. Salut mec, on fait un V1, ça va du coup? Vas-y, viens, on fait un V1, mon gars, viens. Vas-y, battez-vous là. Il va me tuer, hein. Ah, mon gars. Non, pas le Québec. Alors. C'est mort. Alors. Attends, tu fais mal, bâtard. Wesh, le coup là, le dernier hit que tu m'as mis? Ça commence mal. Il est plus au Québec. Non, là c'est le serveur. Oh, le lag! Là c'est le serveur. Wow! Oh! Wow! Oh, tu fais quoi, ça? J'ai pas mon pseudo! Ah, mais moi non plus je l'ai plus, attends! C'est quoi cette merde? Oh, c'est parti! Attends, je suis démon avec toi, je suis démon! Oh, mais on peut le charmer! J'ai niqué son nom, Non, arrête, il va me tuer! Ah, moi le kill! Non, bâtard! Les pouces rouges! J'en ai rien à foutre! Attends, j'ai pas de vie là! Arrête, j'ai pas de vie, frère! Bon, Fire a été éliminé. Mais comme je ne l'ai pas tué assez rapidement, son mate a respawn. Eh bah, ça va être long cette histoire! Je vais retrouver Fire, je m'en bats les couilles. Ok, vas-y. En plus, je suis mort deux fois, mais t'inquiète, j'ai perdu aucun cœur. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Oh putain! Bah, parce que j'avais eu un fil de riz. Quand on a fait Wither là, c'est un truc de bâtard. Hein. Et en plus, j'ai un cœur en plus à cause de ça. Ah oui, tu me l'as volé. Ça dure combien de temps cette merde? T'inquiète. Oh non, putain! Pas te mettre de combo en plus avec le lag. Ah ouais, t'es combien de gap en tout? Là, 42 là. Ah ouais, j'en ai 19, c'est bon. Après, je me suis bien fait drain par. Ah ouais, c'est pour ça. On a pris beaucoup de kills, on a tué tout le groupe du Muzan. Ouais, mais t'as pas vu Kokoshibo, hein? Salut! Tu fais quoi là? Allez, viens! J'ai plus rien fait chier! Y'a plus d'effet là? Ah bah oui, c'est. C'est le genre. Mais j'aimerais bien savoir quand est-ce que je récupère mon cœur là. Ah bah moi j'en commande mon cœur en fait hein. Ah bah oui ça oui ça je m'en doute hein. Ah bâtard. Oh le lag mec c'est. C'est une dinguerie. C'est quoi le lag? C'est bon. Oh! Oh le fou! Crazy! Wesh. Oh en fait j'ai sonné deux. Oh. Oh merde. Oh. Oh là c'est malaise un peu là. Non. Oh bâtard. Mais c'est un peu j'ai plus de gap. Oh mais non c'est vrai, je t'ai dessus, j'aurai des gaps. Oh. Non, t'es plus de deux. Ah. Let's go! Il va aller, il est reparti en spec là, let's go! Il est reparti en spec, ça y est! Oui, son mate a encore respawn. Ah non, mais je vous avais dit que ça allait être long, hein. Bref, il allait encore falloir que je le retue pour la troisième fois, en espérant que cette fois-ci, les autres tueraient l'autre au bon moment. Encore le MP, hein. Ah, c'est bien accéléré, du coup. Je me fais chier. Ah bah voilà. Ah bah, bien vu, bah oui, ils ont fight les maris, ils ont fight. Ouais, ils ont. Oh non, on va pas te fight. Non, comme là. Ok, vas-y, on tape. Vas-y. Putain mais tu vas me revoler en cœur encore, je vais péter les plombs. Ah ouais c'est bon. Allez hop. Wesh. Non t'es un bâtard frère. T'es un bâtard t'es trop. C'est trop grave. Ouais bah ouais. Oh putain. Oh, j'ai plus de vie. Tu restes dans l'eau j'ai dit. Tu restes loin. Bon du coup on se fait un bowling, tu viens au Québec ou non? Bah j'aimerais bien mais bon Ah bah j'aimerais bien mais j'ai pas assez d'argent. Nous non plus on en a pas. Oh tard. Richou carrément. C'est quoi cette expression, espèce de richou, il m'a dit. Mais t'as pas vu Moutakota là hein. La il voulait dire le peuple. Putain, je crois que c'est le mieux pour le mec.
Il nous a inventé un mot à la fin. Hein. Ouais, je parle un mot de la troisième personne. Bon, du coup, j'ai un. Bah, mec. Faut que tu viennes, hein, mec. Bah, mec. Bah, mec. Va te faire foutre. Vénère. C'est horrible, j'ai l'impression de jouer sur les pixels là. Attends, putain. Non, je suis pas mort, va vous. Je suis pas mort, va vous. En plus, j'ai même pas résistance. Mais Isaac est mort, j'ai même pas résistance. C'est quoi cette merde? T'as été enlevé ça, je crois. Non, 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 j'ai résistance. C'est le nouveau patch. Ah bon? Ouais. Et ça, c'est nouveau aussi? Rassure, ouais. Il est nouveau hein, pour l'instant. Tu vas mourir et tu vas me faire le. Ouais. Je suis sûr t'étais super low là. Non non en vrai j'avais trop de cartes. Ah ouais bah voilà bah c'est super low du coup. Fais pas le coup, fais pas le ok. Je pourrais jamais gagner, c'est impossible de te mettre des combos. Comme si tu étais en train de faire Jenkins. Ouais mais Jenkins il me soulève moi. Ah non mais Jenkins t'as 200 de ping hein, moi j'en ai 100. Ça va encore. Bon. Ça commence vraiment à devenir cringe là. Non mon stuff va casser. Ça reste là où t'es là. Ah ouais c'est sûr, dans 9 secondes c'est la merde hein pour toi. Oh non. Ah oui oui oui. Oh non il va respawn. Le fight interminable. Mais je te jure. Ah par contre du cul. Ah il a peur, c'est vrai en fait. Ah j'ai. Ah non 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 non. Let's go! Non, il a respawn. Et en fait, son mate a finalement déconnecté. Voilà, le type n'en a plus rien à foutre en fait. Sauf que c'était les derniers démons en vie. Et du coup, bah. Bon, on a un problème, les gars. On a un problème. Les gars, on a un souci. Les gars. Oh, ça a marché! C'est bon! C'est quoi? Ouais. Parce qu'en fait, il était déjà mort en fait. Il était déjà mort, mais l'autre il a déco en fait. Okay. Attends, mais t'as fait quoi? Bon, après le fight final le plus long de l'univers, cette game se termine par une victoire de notre part sans trop de surprises. En tout cas, un rôle bien sympa avec sa fiole. Pas exceptionnel non plus, mais loin d'être non plus inutile. Il nous reste très peu de rôles à tester dans cette version de Demon Slayer. Il y a la nouvelle qui sort très bientôt, donc il faut qu'on finisse vite. Alors dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour le rôle suivant. Et puis si je vois qu'il y a quelques likes sur la vidéo, bon, j'y réfléchirai quoi. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Et puis on live tous les jours à partir de 19h des UHC. Là, il y a les vacances très bientôt, donc ça sera tous les jours à partir de 15h. N'hésitez surtout pas à passer sur Twitch. C'est gratuit et il y a une application même. Et on se dit à dans 2-3 jours pour un nouvel UHC inédit OMG.